OK, on reprend tout ça. On reprend ça avec une succession, deux questions chaotiques. Encore une fois, ce type de questions-là, laissez parler votre cœur. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Deux questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Allez-y intuitivement. Deuxième question. Stratégie? Ça se peut. OK. OK. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces deux questions-là? Première des choses, il y a deux scénarios qui vous sont proposés avec deux options. Le premier scénario, c'était avec l'option 1, 90 % des chances de gagner 1000 $ et 10 % de gagner zéro. 6 personnes ont adhéré à cette option-là. L'option B, 100 % des chances de gagner 900 $ 27 personnes ont adhéré à cette option-là. Ce qu'il faut comprendre de ce scénario avec ces deux options-là, c'est que vous ne vous êtes pas intéressé à gager, à parier, à en mettre en péril un montant de 900 $ qui est assuré. Même s'il y a 90 % des chances que vous gagnez 1000, mais il y a 10 % de tout perdre, et ça, c'est intolérable pour vous. Tout à fait normal. Deuxième scénario, option A, 100 % des chances de perdre 900 $. 6 personnes ont répondu. Ça. Option B, 90 % des chances de perdre 1000 $ et 10 % de perdre zéro. 32 % ont opté pour l'option B. Est-ce qu'on comprend qu'en termes de scénario et d'options, c'est tous la même valeur d'espérance mathématique? C'est tout du 900 $ partout. Ça va? Si on le regarde juste avec le scénario ici, 100 % des chances de gagner, de perdre 900 $ c'est 900 $ qui est en jeu. 90 % des chances de perdre 1000 $ c'est 900 $ plus 10 % de zéro, c'est zéro. C'est tout le même espérance de gain ou de perte. Dans le premier scénario,
Vous ne voulez rien savoir de parier, de mettre en jeu. Vous allez vers, vous sécurisez le gain de 900 $. Quand vous êtes en mode, c'est la même réalité, mais de perdre. Quand vous êtes dans un, on vous propose en mode de perdre, là, vous devenez des gamblers. Là, vous devenez des gens qui sont prêts à miser. Vous avez 90 % des chances d'augmenter de 100 $ votre perte, mais vous êtes prêts à le faire parce que ça peut être quitte ou double, puis on efface tout. Donc, l'idée de faire disparaître une perte de 900 $ c'est tellement puissant pour vous que vous êtes prêt à adopter un comportement qui est différent que le comportement que vous avez adopté quand on vous a proposé le gain. Alors ça, qui a de l'air un petit peu... est-ce que c'est extraordinaire ou pas? Oui, c'est extraordinaire parce que c'est la théorie de l'aversion de la perte et c'est ce qui a donné à Daniel Kahneman le Nobel de l'économie, même s'il était un psychologue en 2002. Donc, ce qui est brillant de l'histoire ici, c'est de dire que les gens ne se comportent pas de la même façon, même si c'est la même valeur de mathématiques, ne se comportent pas de la même façon, dépendamment comment la proposition elle est faite. Ça va? Donc, en gros, il y a d'autres éléments dans la recherche, dans cette théorie-là, il y a plusieurs autres éléments qui sont mis en lumière, mais ça, c'est un petit peu comme le passe-partout pour expliquer l'aversion à la perte. En français, ça se dit comment, l'aversion à la perte? C'est que les gens, en général, la majorité des gens, et là, vous allez reconnaître l'idée, vous avez deux fois plus de désespoir à perdre que vous avez de bonheur à gagner quelque chose. Donc, je répète la chose, on est deux fois plus déçu si on perd quelque chose qu'on a de satisfaction. C'est vrai, ça, vous pensez? Hein, ça a-tu de l'allure? T'es au IGA. Il y a deux fils. Là, tu regardes à gauche, tu es dans le fil de droite. Je pense qu'il va y avoir moins de monde. Tu t'en vas à gauche. Puis là, finalement, tu continues à regarder à droite, tu te dis, Colin, si j'étais resté dans la droite, j'aurais passé avant. Ça, ça te fait capoter bien plus que si tu es resté à droite, tu as pensé d'aller à gauche, finalement, la gauche a été plus rapide. Ça, tu ne capotes pas tant que ça. Je ne sais pas si pire. Mais tu as changé, puis tu t'es fait shifter par toi-même. Ça, c'est insupportable. OK? Ça, c'est la même théorie, c'est Kahneman que je viens de vous expliquer au IGA. Okay? Et ça, c'est partout. Si j'étais vraiment un prof flyé, basé sur cette théorie-là, qu'est-ce que je ferais? J'ai déjà vu ça dans des profs aux États-Unis, université, j'ai lu, tatati, tatata. On commencerait la session, tout le monde à 100 %. Vous êtes tous 100 %. Puis là, dépendamment de vos examens, vos travaux, vous perdiez des points. Puis on diminuerait le 100. Jusqu'à combien? Je ne sais pas. Ça, ça pourrait, selon cette théorie-là, je n'ai jamais essayé, puis je ne ferai pas ça, là, je ne vous déstabiliserai pas à ce moment-là, mais ça me passe par la tête des fois de dire, je donne tout le monde à 100 jour 1. Tout le monde est des winners, 100 %. Puis là, vous perdez des points. Mais une affaire qui est certaine d'une manière aussi imaginative, mais moins flyée que l'exemple de vous donner 100 % jour 1 puis diminuer tout au long de la session, c'est sûr que si vous souhaitez motiver un employé, puis donner un boni, vous devriez, basé sur cette théorie-là, qui est une théorie pas contestée, là, acceptée, là, qui a mené à un prix Nobel, ça voudrait dire que la meilleure façon de motiver par un boni un employé, c'est de donner le boni au début de l'année, 5 000 $. Puis si tu n'atteins pas tes objectifs, alors tu le rembourses à la fin. Ça, ça motiverait plus les gens que donner le 5 000 à la fin, apparemment. Parce qu'il y en a qui font ça, je ne pense pas, je ne sais pas, ils ont peur qu'ils partent avec l'argent. Mais vous comprenez que c'est un peu ça qui est en cause. Puis je vais vous donner d'autres exemples de finances personnelles. Il y en a plein d'exemples possibles. Bon, il y a des dérivés là-dedans. Ce n'est pas toujours l'application pure du biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte, mais c'est un petit peu des descendants de cette théorie-là. Okay? L'effet du paiement comptant pour combattre l'envie d'acheter. Donc, ce que Dan Ariely appelle « the pain of pain ». C'est sûr que de plus en plus, cet exemple-là devient un peu moribond parce que vous travaillez presque toujours avec des cartes de crédit, Apple Pay, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le commun des mortels, la majorité des gens, si on a à payer avec de l'argent dans nos poches, puis on a à sortir l'argent, ça va nous faire plus mal que si c'est quelque chose... PayPal, puis bang, on n'a aucun
feeling de la transaction, c'est sûr que ça, c'est prouvé, il y a un impact. Okay? Donc, si vous voulez économiser sur votre sortie avec votre blonde pour la Saint-Valentin, amenez-vous de l'argent cash, puis payez cash, vous allez probablement payer moins cher ou en tout cas avoir un comportement qui va amener une moins grande dépense. Donc, the pain of paying. Sur cette idée-là, encore plus extrême, c'est sûr que si vous êtes devant un forfait, quelque chose que vous avez déjà payé, là, c'est comme si c'est gratuit. T'sais, toute la notion des dépenses, des coûts passés, c'est comme s'ils disparaissent en termes de douleur, en termes de difficulté à faire face à la situation. Un autre exemple que j'aime présenter, et celui-là, je vais vous le présenter, puis malgré que vous avez 6 cours de comptabilité derrière la cravate, je ne suis pas sûr que tout le monde va le comprendre du premier coup, puis je le vois, c'est des difficultés à comprendre. Même Martin Dubuc a de la misère à comprendre ça. OK, regardez. Vous achetez des billets de Drake. Okay? Vous êtes dans la salle virtuelle, puis votre nom sort, puis vous êtes dans le pit à 150$, vous l'avez acheté d'Evenco, là, vous l'avez acheté du promoteur. Ça va? Donc, vous avez payé 150$. 3 mois avant le spectacle. Vous êtes à 2 jours du spectacle. Okay? Vous regardez, ou votre ami qui veut votre bien, regarde les sites des revendeurs. Vous savez qu'il y a toute une industrie de revendeurs, et ça se fait très bien, là, c'est pas compliqué. Donc, vous pourriez facilement, il y a un marché secondaire, vous pourriez revendre 2 jours avant le spectacle 400$ le billet de Drake dans le pit, le même billet. Si je vous pose la question, vous êtes prêt à payer combien pour aller voir Drake? La personne qui a acheté le billet 150$, si tu lui poses la question, comment tu es prêt à payer, il y a des chances qu'ils te disent, ben, j'aurais pas payé vraiment plus que 150$. Ça se peut. Qu'est-ce que vous lui répondez si vous voulez être rationnel, puis vous voulez vraiment être rabat-joie? Qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, je m'excuse, mais en réalité, tu es prêt à payer 400$. Regarde, là, tu viens de fucker son fun bien dur. Il est 2 jours avant le spectacle. Tu es prêt à lui dire que c'est bien dans le pit, il coûte 400$. Est-ce que tout le monde ici croit ça? Tout le monde accepte ça? As-tu besoin de vous expliquer un peu plus? Êtes-vous d'accord? C'est sûr qu'il y en a des gens qui le voient, puis je sais qu'il y a plein qui ne le voient pas, puis c'est correct. Il y a quelque chose de très contre-intuitif là-dedans. On se fait-tu un petit débit crédit? L'événement n'a pas eu lieu encore. Le 150$, il est passé. Il n'y a plus rapport à l'histoire. Il y a zéro rapport avec l'histoire dont je vous parle. Je ne suis pas prêt à parler de profit. Je ne suis pas prêt à parler de gain. Je suis prêt à vous parler de combien que ça me coûte en réalité d'aller voir Drake. Okay? Le 150$, c'est non pertinent. On est à 2 jours du spectacle. J'ai encore 2 options. J'y vais. Il n'y a rien qui se passe dans mon bilan. J'y vais pas. J'ai 400$ dans mon encaisse. Est-ce que tout le monde comprend qu'un accroissement de valeur nette comme ça, 400 versus 0, c'est un coût de 400 d'y aller? C'est assurément ça. Le rendu là, Martin l'a compris, hein, j'ai expliqué. OK? Mais, c'est très contraire. Mais quand je vous le dis, là, c'est plate au bout. Puis même moi, dans mes affaires, j'aime pas ça trop penser de même. Parce que ça devient déplaisant, cette affaire-là, là. Bien sûr, si le marché secondaire, il est transparent, il est facile, il est accessible, il est sans risque, mais des fois, il l'est. Je ne sais pas si encore ça, mais à un moment donné, il y avait vraiment un étudiant qui m'avait pris au mot, puis il était venu à la pause, il dit, « Hey, pareil, là, en ce moment, à l'UQTR, mon permis que j'ai gagné de stationnement, il est rendu, je parais là, que ce qu'il dit, je pourrais le vendre 500, ça veut-tu dire que je t'apprêt à payer 500$ pour mon permis? » Je dis, « Ouais, c'est ça que ça veut dire. » Il était déprimé que je dise ça, là. Là, je l'ai mis, je l'ai embêté, là, il ne savait plus trop quoi faire, là, avec ça. C'est vrai. Pour tout élément qu'on peut revendre avant de le consommer. Mais ce n'est pas toutes les choses qui prennent de la valeur, bien sûr. Donc, ça, là, c'est hyper contre-intuitif, puis on ne veut pas trop penser à ça. Ton chum descend dans sa cave à vin, belle cave à vin, il a acheté une bouteille de vin il y a 10 ans, 50$, il dit, là, je pourrais revendre ça, 500$, puis là, tu lui dis, on va prendre une bouteille de 500$. Ça fuck l'atmosphère, ça, là. Hein? Ça fait mal au cœur, là, tout ça. C'est assurément une manifestation de l'aversion à la perte. Ce qui est passé, là, ça n'existe plus. OK? L'utilisation des recettes fortuites. Bien, vous avez tous vécu ça, ou vous savez de quoi je parle.
tu reçois un montant d'argent que tu n'avais pas prévu, ta tante t'envoie 500$, tu n'as pas prévu, je reçois un remboursement d'impôt de 2000$, même si c'est parce que j'ai mis une cotisation à Montréal de 4000$, ça me donne un remboursement de 2000$. Ça, ce 2000$-là, ce n'est pas un 2000$ qui devrait être utilisé pour mon train de vie, là. Ça, c'est le 2000$ d'impôt que j'ai de rembourser que je vais payer quand je vais le retirer plus tard, là. OK? Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand on se sent lousse, quand on a un surplus de liquidité d'un montant qu'on n'avait pas anticipé, on change de comportement. La plupart des gens, pas tous, il y en a qui sont très disciplinés, mais plusieurs tombent des nues, puis finalement, se crée un besoin ou augmente. Je suis prêt à me magasiner un vélo, je regarde des vélos de 1000$, puis là, je reçois un cadeau de 2000$. Ça se peut que mon vélo passe très rapidement de 1000$ à 1500$. Puis je me fais une comptabilité mentale. Là. Je me dis, ouais, mais tu sais, dans le fond, le 2000, je n'étais pas supposé de l'avoir. Fait que c'est comme si j'ai reçu 1500, puis j'ai un plus beau vélo. Tu sais, on se fait toutes sortes de. Ça, c'est de la comptabilité mentale, comme on dit. L'utilisation de la fin annuelle de cotisation du RQ, assurance emploi cotisée au REER. Bon. C'est sûr que ça, c'est des cotisations au RQ, à l'assurance emploi, c'est toutes des choses qu'on va voir au cours de la session, là, dans les semaines à venir. Mais juste pour vous expliquer la petite histoire par rapport à des liquidités qui sont soudainement disponibles, qui n'étaient pas disponibles avant qu'ils deviennent, si quelqu'un fait à peu près 110 000 $ de salaire dans une année, bien, il va arrêter de payer du RQ de l'assurance emploi le 30 juin. Pourquoi? Parce que l'assurance emploi, qui est une cotisation de 1,25, le RQ, qui est une cotisation de 5,55, est plafonné à peu près à 57 000, 56, 55. On verra ça au cours de la session. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, si je fais 110 000, rendu au 30 juin, j'ai tout payé mes cotisations RQ, puis je n'ai plus à payer. En gros, concrètement, ça fait 300$ de plus dans mes poches à chaque paye. Qu'est-ce que je fais avec 60? Je peux dire, ah, j'ai ça de lousse, je peux payer plus, je peux me gâter plus. Mais non, c'est supposé d'être linéaire, cette affaire-là. Le mode de fonctionnement n'est pas linéaire. Je serais supposé de gérer ça comme si c'était un montant linéaire. Je ne suis pas supposé de me dire, j'ai plus d'argent, je vais consommer plus. C'est un exemple de liquidité qui n'était pas anticipée, qui est fortuite ou qui n'était pas là avant. Donc, il y a un paquet d'exemples de ce type-là. Un autre biais cognitif qu'on retrouve, le débordement cognitif. Okay? C'est un gros mot, là, un mot savant un peu, pour dire quelque chose qui est bien facile à comprendre. Plus qu'on a de décisions à prendre, en même temps, des décisions importantes financièrement, des décisions complexes, bien, si on rajoute une xème décision à prendre dans ce court laps de temps-là, il est très possible qu'on prenne la décision la plus facile à prendre, le raccourci, et financièrement, qu'est-ce qu'on retrouve au bout de chemin-là? Probablement la solution la plus coûteuse, la moins avantageuse. Donc, dans mon exemple, je me donne à cœur joie ici avec cet exemple-là, je parle d'un jeune couple, Julie et Guillaume, souhaitent procéder à la vente d'un terrain en vue d'en acheter un nouveau, déjà là, pour ensuite conclure une entente avec un entrepreneur qui construira une nouvelle résidence au cours de l'été. Pas pire projet. Ah, mais c'est l'été où ils se marieront, puis Guillaume doit réussir 6 cours à la session d'hiver pour compléter ses études universitaires. Okay? C'est un pas pire débordement cognitif. Qu'est-ce qui se passe dans un exemple comme ça, qui est bien sûr exagéré, mais dans la vie moderne, je pense qu'on peut se reconnaître. On se surcharge d'obligations, de décisions, d'engagements financiers. Qu'est-ce qui se passe à Julie si elle réalise dans cet été-là que finalement, c'est vrai, ma voiture, le bail, la location vient à échéance, puis j'ai le choix de l'acheter, payer la valeur résiduelle, ou j'ai le choix de redonner les clés, puis repartir avec une nouvelle voiture toute neuve en location. Qu'est-ce qui va se passer si Julie a une location de voiture qui vient à terme, la valeur résiduelle est de 15 000, elle pourrait 15 000 $ puis avoir le véhicule. Puis en plus, savez-vous quoi, la juste valeur marchande est de 16 500. Comment ça se peut, ça, une valeur résiduelle de 15 000, puis le char vaut quand même 16 500? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui n'a pas roulé beaucoup. Quelqu'un qui n'a pas roulé beaucoup, qui était en bas du 16 000 km par année d'octroyé, ou 20 000, ou 24 000, bien, qu'est-ce qu'il va se retrouver? Il va se retrouver avec une valeur résiduelle qui va être plus basse que la juste valeur marchande. Bref, il y a 1 500 à faire là.
Qu'est-ce que vous pensez que Julie va faire? Ça, elle n'a pas l'argent, elles sont débordées de partout, ça sort de partout, les décisions. Puis les argents, les liquidités sont sollicités, le financement de partout. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là, bien concret, avec ce débordement cognitif-là? Julie, elle va dire, je ne veux rien savoir, je redonne les clés, puis donne-moi un nouveau véhicule que je vais louer. Ça, c'est 1 500 $. C'est de l'argent en tabarouette. Puis savez-vous qu'est-ce qui se passe aussi dans cette décision-là, qui est la mauvaise décision à cause du débordement? C'est qu'en plus, Julie, probablement, là, c'est toutes des probabilités, selon toute vraisemblance, selon la moyenne des ours. Julie, le pire, ça va dire, ben, c'est pas 1 500, c'est quoi? Elle va dire 1 500, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'elle est après gérer des terrains qui coûtent 100 000 $, est après gérer la construction d'une maison qui coûte 300 000 $. Comprenez-vous que le 1 500 a fait une erreur grave? Elle fait une relation entre le montant et d'autres montants qui sont en jeu dans son pacte financier du moment. Alors que, bien sûr, dans la vie, dans l'analyse, le pourcentage, c'est toujours important. Mais en finance personnelle, les dollars, c'est en absolu qu'il faut calculer ça. La preuve de ça, le 1 500 peut sembler pas important par rapport à l'ordre de grandeur qui est là, mais si je vous dis, vous souhaitez faire un voyage à Cuba au mois de novembre, bien, ça va vous coûter 1 750 $, mais là, il y a une offre incroyable d'un promoteur qui va vous vendre ce même voyage 250 $. OK, c'est que 250 $, ça n'a pas de sens. Comprenez-vous où je m'en vais avec ça? Si jamais vous souhaitez faire un voyage à Cuba, puis vous avez une proposition à 1 750 $, puis une à 250 $, vous allez dire, c'est incroyable, quelle offre! 1 500 $ de différence, ça se peut pas, je vois. Là, le 1 500 $ devient hyper sexy, hyper intéressant, hyper... vous comprenez? Mais ici, le 1 500 $, il se perd. Okay? On fait souvent cette erreur-là dans nos façons de réfléchir dans nos biais cognitifs, dans nos finances personnelles. Un autre biais cognitif, vous deviez en faire le visionnement. Je vous avais demandé de faire le visionnement. Une excellente capsule vidéo, un TED Talk de Daniel Goldstein, où, dans le fond, il exprime une idée qui n'est pas compliquée à comprendre, mais la force, c'est de l'illustrer avec des images qui sont parlantes. Dans le fond, c'est de mettre la dualité dans laquelle on vit tous. La dualité, c'est de dire qu'on a notre moi présent, puis on a notre moi futur. Puis qu'à toutes les fois qu'on consomme, c'est sûr que si on consomme des biens essentiels, il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas à avoir de la culpabilité dans le geste. Mais à chaque fois qu'on consomme des biens qui sont superflus, comprenez qu'on le fait au déprimant, pas d'un inconnu, mais de notre moi futur. Donc, essentiellement, ce déficit d'empathie-là a été illustré brillamment dans cette capsule vidéo-là. Puis de quelle façon? C'est que, entre autres, en mettant en relation la même personne, en vieillissant la personne, puis en démontrant le lien qui existe entre les deux. Alors, on a le jeune ici qui est bien content parce que 90 % de son salaire, il flambe. OK? Mais lui, là, le mois présent, quand il flambe 90 %, ça fait en sorte que son mois futur, il va vivre avec 43 % des revenus. Il va avoir un train de vie qui va passer de 90 % de son salaire à 43 %. Lui est malheureux, mais c'est la même personne. Okay? Ça, ce déficit d'empathie-là, il est tout à fait normal. C'est dur pour vous, puis je vous comprends de vous visualiser à 50, à 60, à 65 ans. C'est bien plus réel, c'est bien plus concret, le plaisir, en guillemets, que vous allez avoir à consommer un nouveau véhicule, une nouvelle maison, un nouveau cabanon, un nouveau barbecue. C'est bien plus immédiat. Même si on sait que ça ne dure pas, cette satisfaction-là, c'est pas ça qui nous rend heureux, on n'est pas capable d'envisager qu'on le fait aux dépens de nous-mêmes. Okay? Donc, ça, c'est un concept assez important. L'exemple, je vais donner ma palme d'or de la publicité la moins responsable au niveau de la consommation financière. Ça appartient à Kia. Ça vaut la peine de l'écouter, là. Je ne sais pas si ça va marcher, mais écoutez bien ça. C'est quoi ça? C'est mon nouveau Sportage. Il est beau, hein? Ça dure pas longtemps. C'est quoi ça? C'est mon nouveau Sportage. Il est beau, hein? Ben oui, mais...
Taillon électrique. Intelligent. C'est pratique, hein? Vraiment. Puis ça vient avec le chargement sans fil. Ben oui, hein? Rendu-le. Puis ça, là, ça rentrait dans le budget. Ben oui. C'est moi qui ai choisi le paiement. Sais-tu qu'est-ce qui rentrait dans le budget aussi? Non, quoi? Pas le turbo. T'as pris le turbo? Oh oui! C'est vrai. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez pendant l'événement. Choisissez votre paiement chez Kia. Pour que une boîte de communication décide de pousser un message aussi débile que ça, faut que vous compreniez qu'on est rendu loin dans l'acceptation de ce type de biais cognitif-là. C'est-à-dire que les gens ne se demandent plus s'ils ont besoin de la chose, ne se demandent plus s'ils ont les moyens. Ils veulent juste, on entend ça, acheter un paiement de char, un paiement. Mais ça, c'est la pire erreur, bien sûr. Le plus petit paiement possible qui est recherché, ça conduit un paquet de gens à prendre des mauvaises décisions financières, de vivre au-delà de leur capacité, puis ça fait que la moyenne de marge de crédit hypothécaire, sauf erreur au Canada, est d'à peu près 60 000 $. C'est pas ça, le 60 000 $ de marge de crédit hypothécaire, c'est comme dire, il y a une surconsommation de 60 000 $ en moyenne pour les gens. D'accord? Donc, c'est horrible. C'est horrible. Et ça, c'est la plus belle manifestation d'un manque d'empathie envers soi-même. J'ai pas le moyen d'avoir le spa, mais il est tellement découpé sur une longue échéance de 10 ans, 120 mois, OK? Ben, ça revient à rien, c'est comme un café par jour. C'est un raisonnement débile de même. Ça va? Donc, ça, c'est vraiment une expression du déficit d'empathie. Il faut savoir si on en a besoin, ça, c'est personnel. Il faut savoir si on en a les moyens. Puis, pour en savoir si on a les moyens, ben, c'est tout ce qu'on va voir dans les cours à venir. Planification de la retraite, comment il faut épargner pour atteindre nos objectifs, budget, puis on va voir si ça cadre ou pas. Gratification instantanée, bon, on comprend que ça va un petit peu dans le même sens. On vit dans une société, puis je m'inclus, on est tous sollicités, on est beaucoup dans la consommation, puis des fois, au lieu d'aller vers des expériences durables qui nous rendent réellement heureux, ben on va vers l'achat compulsif d'éléments, de choses. Okay? Après le 11 septembre, je me souviens de George Bush qui a demandé à tous les Américains d'aller magasiner. Okay? C'est bon pour le moral. Donc, bien sûr, la gratification instantanée, il faut réfléchir à ça. Dans l'étude Wired for Imprudence, la variable la plus importante de déterminer la probabilité d'être failli, d'être en faillite, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas les revenus, ce n'est pas la compréhension de la littératie financière, c'est le comportement impulsif par rapport à la gratification instantanée et les achats. Alors, prenez un temps de refroidissement par rapport à un achat important qui ont les caractéristiques d'un achat impulsif. Les habitudes néfastes, encore une fois, puis c'est pas pour être moralisateur, c'est juste pour expliquer la loi des petits nombres qui deviennent un grand nombre avec le rendement composé. Parfois, on en a tous des habitudes néfastes, puis on peut dire aussi que les habitudes néfastes, c'est nos petits plaisirs. Puis ça peut être bien correct, là. Je ne suis pas ici, encore une fois, pour faire la morale. Mais il faut juste comprendre l'abandon d'une petite habitude qui coûte un petit montant, mais qui est très, très régulière et quotidienne. Comprendre vers quel montant d'argent ça nous permettrait de générer pour notre retraite. Donc, ce concept-là, ça s'appelle « the latte factor ». Ça vient de l'idée que jamais les gens auraient cru qu'on serait prêt à payer 6 piastres pour un café. Mais ça a l'air qu'on est prêt à payer 6 piastres pour un café. Okay? Donc, juste vous mettre un chiffre, si vous avez l'habitude de vous prendre un café, même pas chez Starbucks, à cafétéria, vous en prenez deux, puis vous faites ça de 25 ans jusqu'à votre retraite, 65 ans. Vous travaillez à l'université de 25 à 65 ans, 40 ans. Okay? 4 $ par jour. Mais là, vous me voyez tout venir gros comme le bras. 4 $ par jour pendant 40 ans à 8 %, c'est 400 000 $. Je le sais, là, il y en a qui n'ont pas aimé cet exemple-là ce matin. Ils disent, ouais, là, tu charries pas mal, mais c'est ça pareil. Enlève une de tes habitudes néfastes, isole-la, mets-les dans de l'épargne, puis qu'est-ce que tu sais? Peut-être que tu vas pouvoir prendre ta retraite 10 ans avant ce que tu avais anticipé, parce qu'on comprend que 400 000, là, c'est beaucoup d'argent, là.
pour une habitude qui a été laissée de côté. Alors, encore une fois, c'est pas de vous dire arrêtez de boire du café, arrêtez de fumer, arrêtez de... Tu sais, je ne peux pas vous dire quoi faire. Juste comprendre que ça existe, ça, ce comportement-là. Les normes sociales aussi, on sait qu'on est parfois des gros voisins gonflables. On se fait influencer par notre environnement. Ça nous amène à acheter un paquet de bébelles qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc, encore une fois, il faut se poser des questions. Il faut voir qui décide finalement dans tout ça. Hein? Juste finir sur un élément. Marc Aubry, qui est un de mes collègues, un de mes amis collègues, qui est un prof de comptabilité management, qui fait son doctorat en psychologie, puis qui est sur le comportemental, donc toutes les choses dont je vous parle aujourd'hui, c'est tout son pain et beurre, c'est ça qui l'intéresse, a fait passer un questionnaire, je pense à des étudiants, il y a un an à peu près, puis ça donnait un drôle de résultat pour une, deux questions quand on les juxtapose. Une des questions, c'était « Je vais atteindre les objectifs financiers que je me suis fixés. Êtes-vous en complètement en désaccord ?» Partiellement en désaccord, neutre, etc. Donc, 4 puis 5, c'est totalement en accord ou en partie en accord. Alors, vous comprenez que 60% des étudiants qui avaient été interrogés par le questionnaire de Marc répondaient à 60% qu'ils pensaient atteindre leur objectif financier. La même population ont répondu aussi à la question « J'ai épargné ou serai en mesure d'épargner suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins jusqu'à la fin de mes jours. » C'est la même idée, mais posée bien différemment. Mais là, tout d'un coup, il y a juste 45% qui pensent qu'ils vont épargner assez. Donc, comment on peut concilier que 45% pensent qu'ils vont assez épargner, mais que 60% pensent qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif de retraite? Ça ne marche pas ensemble. Vous allez voir la semaine prochaine, ça ne marche pas ensemble, ces deux choses-là. Vous allez me dire, c'est juste 15%. Mais ce n'est pas 15%, c'est 15% sur une population de 60% que j'ai isolée ici. Donc, ça donne 25%. 1 sur 4 ont une réponse incohérente entre elles. Okay? Donc, c'est juste vous dire, c'est souvent ça. C'est la façon que la question est posée, comment le cognitif est sollicité. OK, alors ce qu'on va faire, on va prendre un dernier peut-être 30 minutes, parce qu'à la toute fin, il y a les membres du comité étudiant qui veulent vous parler pour une dizaine de minutes. Donc, ce qu'on va faire, on va introduire le sujet de la planification financière. Et donc, c'est très léger, c'est très en surface, d'accord? On va se dire différents éléments, mais... Vraiment, on va commencer à ouvrir la machine sur la planification financière la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit volet-là? On va se poser la question, c'est quoi les composantes de la planification? C'est quoi la planification financière? C'est sûr qu'il va y avoir des définitions, mais le but, ce n'est pas des définitions. Des définitions, vous ne poserez jamais une question de « nommez-moi » ou « dites-moi la définition de la planification financière ». Par contre, après ça, on va regarder l'environnement relié à la planification financière, ce qui entoure cet univers-là, et finalement, peut-être, si on a le temps, juste parler un petit peu de processus en lien avec la planification financière personnelle. Voilà la définition de la planification financière personnelle telle que définie par l'UQPF, l'Institut québécois de planification financière. Rassurez-vous, on ne lira pas ça, là. Ça ne m'intéresse pas, là. Tout ça. Il y a des éléments que je veux discuter avec vous de la définition. Apprenez pas ça, là, par cœur. Bien, au passage, je vous dis que l'Institut québécois de planification financière, c'est un peu comme l'ordre des CPA pour les experts comptables. Ce n'est pas un ordre, mais c'est presque un ordre, ça se comporte comme un ordre, et ça distribue, ça gère les types de planificateurs financiers, ça s'occupe des conditions pour devenir planificateur financier, la formation continue, le programme de formation aussi pour obtenir le titre. Donc, l'Institut québécois de planification financière a une très longue définition. Ce que je veux faire ressortir, c'est que forcément, quand on va faire une planification financière, particulièrement une planification de la retraite, il va y avoir des contraintes et des objectifs. Et ce que je veux faire sortir ici comme raisonnement ou de réflexion, c'est de dire, quand on fait une planification de la retraite, puis je vous pose la question... Est-ce que je peux prendre ma retraite à 65 ans? Votre client vous pose cette question-là. La semaine prochaine, le client s'assoit devant vous, vous pose la question, est-ce que je peux prendre ma retraite à 65 ans si j'épargne aucun montant d'argent? J'épargne rien.
qu'est-ce que vous répondez à un client qui vous arriverait là, comme ça, première question qui vous balance, c'est ça. Est-ce que je peux prendre ma retraite à 65 ans sans épargner? Oui. OK. Bon. C'est sûr que la réponse, c'est ça dépend d'un paquet de facteurs. Ça dépend d'un paquet de variables. Donc, sans même avoir un fonds de pension avec un emploi, comme tu le mentionnes, oui, ça pourrait être juste ça la réponse, bien sûr. Quelqu'un qui est à l'université 35 ans, il a 70 % en rente de son revenu. OK? Donc, effectivement, il n'y a pas besoin d'épargner autre que l'épargne forcée qui est dans ton régime. Mais ça pourrait, la réponse pourrait être dire, aussi dire, bien, si tu as besoin d'un train de vie de 18 000 $ vas-y, ça marche. Le filet social, présentement, au Canada, offre 18 000 $ à quelqu'un qui a pas travaillé ou qui n'a pas épargné. 7 200 de pension de sécurité de vieillesse, seul objectif pour avoir ça, c'est respirer et avoir 65 ans. Tu n'as pas besoin d'avoir fait tes preuves ou travailler. Okay? Puis si tu as simplement la pension de sécurité de vieillesse, tu as un supplément de revenu garanti qui bonifie jusqu'à 18 000 $ On s'entend que c'est pas beaucoup, là, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est une bonification par rapport à l'aide sociale. Okay? Là, je peux après vous dire, faire un commentaire social sur la chose. Là, c'est très bien qu'on ait un filet social. Mais c'est de vous faire réaliser qu'à toutes les fois où vous allez avoir à faire une planification de retraite, vous allez jouer avec les objectifs du client et vous allez faire différents scénarios. Peut-être que votre client veut prendre sa retraite à 65 ans avec un train de vie de 70 %. Ça ne sera pas possible, peut-être, quand vous faites vos calculs. Ce que vous pouvez lui proposer, c'est de dire, tu peux prendre ta retraite à 65 ans, mais ton train de vie, il diminue, il ne sera pas de 70 %, il va être 60 %. Ou tu peux avoir un train de vie de 70 %, mais tu dois travailler jusqu'à 67 ans. Vous comprenez? Tout ça est possible, c'est de la modulation. C'est des mathématiques financières rendues là quand il y a une mécanique. La semaine prochaine, on va être dans cette mécanique-là. Deux autres éléments que je veux faire ressortir de cette définition-là, c'est de dire que, je l'ai déjà mentionné, mais juste vous rappeler que quand on fait de la planification financière, c'est un exercice, c'est un acte d'intégration. Vous devez avoir des connaissances en économie, en finance, en juridique, en fiscal, puis en psychologie comportementale. D'accord? Ça se passe toujours en même temps. Vous n'avez pas à être expert de chacun de ces volets-là, mais vous devez être assez compétent pour connaître vos limites là-dedans, avoir des compétences assez grandes pour communiquer avec des experts qui vont travailler de concert avec vous, maître d'œuvre de la planification. Puis l'autre élément que je vais faire ressortir, c'est sûr que la définition fait référence à une attitude prudente. Okay? Je pense, à moins que ça ait changé depuis mon temps, puis ça se peut que ça fait un méchant bail, que je n'ai pas fait de la comptabilité, puis expert comptable, puis tout ça. Mais je pense que dans les PCGR, ou c'est peut-être pas un PCGR tel quel, mais il y a la notion de prudence, de conservatisme par rapport à l'approche, par rapport à l'information financière. Mais il l'a dans la définition de la planification financière d'être prudent dans quoi? Prudent dans les hypothèses. Mais vous comprenez que la prudence à outrance, c'est un problème. Si tu es prudent parce que tu donnes un rendement de 2 % à quelqu'un qui a des fonds de croissance diversifiés, si tu es prudent parce que tu accotes l'inflation à 3,5 parce que tu te dis ça pourrait être 3,5 mais qu'en réalité c'est beaucoup plus autour de 2, si vous êtes conservateur parce que vous dites « je ne prendrai pas de chance, je vais le faire mourir comme le Guinness Book Record, 115 ans, l'humain le plus vieux au monde », là, tu sais, je veux dire, là, vous arrivez, vous allez compter des histoires, des balivernes là, à votre client. Vous allez lui dire, il faut que tu prennes ta retraite à 82 ans. Là. Okay? Donc, il faut rester dans le réalisme et le légitime. Un peu prudent, pas juste une succession d'hypothèses de prudence. Une autre définition, celle de Plamondon. Encore une fois, je n'en fais pas la lecture. Simplement, faire ressortir quelque chose. Pour Plamondon, en gros, la planification financière, c'est de trouver un dosage, un équilibre entre la qualité de vie et l'indépendance financière. Donc, la qualité de vie, c'est vos valeurs, c'est votre style de vie, c'est le coût de vie. Puis, l'indépendance financière, c'est la capacité à maintenir sa qualité de vie. Bon, on est dans la sémantique. Oubliez cette définition-là. Si je vous posais la question, pour vous, dans vos mots, c'est quoi l'indépendance financière? C'est quoi l'indépendance financière pour vous? Dans vos mots. C'est quoi l'indépendance financière dans tes mots?
OK. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à ça? Qu'est-ce que ça pourrait être de l'indépendance financière? Oui. Parfait. Donc, pour bien des gens, cette indépendance financière-là, c'est l'exemple que je vous ai mentionné en introduction de cours. J'ai dit, êtes-vous intéressé à prendre votre retraite à 35 ans? Si vous voulez prendre votre retraite à 35 ans, vous devez générer un revenu net de 80 000 en couple. Vous devez avoir un train de vie de 30 000 $ Ça crée un épargne de 50 000 $ pendant 10 ans. Ça crée un fonds de retraite, appelez comme vous voulez, un REER, un CELI, un fonds de retraite, un patrimoine de 700 000 $ Et ce 700 000 $-là va se décliner jusqu'à 90 ans. Je vais piger dedans, mais il va continuer à faire du rendement à 6 %. Bien, ce calcul-là, dans l'exemple que je vous donne, puis on va aller en détail la semaine prochaine, ça donne une rente de 40 000 $ Donc, ça répond parfaitement à ce que tu as soulevé. Si j'ai une dépense financière, c'est qu'à tout moment, je peux arrêter d'être actif, de travailler, d'être rémunéré et de vivre seulement de l'empiètement de mon capital, utiliser mon capital pour me générer une rente. Ça, c'est l'indépendance pleinement financière. Je peux juste vous dire que ça pourrait aussi être, mais c'est la vraie définition, mais c'est de la gradation, il y a du gris là-dedans, OK? Mais pour moi, ça pourrait aussi être quelqu'un de responsable, qui connaît exactement l'épargne qui doit être fait à chaque année pour atteindre les objectifs de retraite, avoir un budget en équilibre qui tient compte de cette épargne-là, avoir un emploi que tu aimes et finalement avoir une sécurité d'emploi par rapport à cet emploi-là. Si tu as tous ces éléments-là, tu ne peux pas lâcher du jour au lendemain ta job, mais tu es sur la traque, tu es sur la voie pour avoir, c'est toi qui décides, le rendu-là, vraiment. Okay? Alors, ça aussi, ça peut être une forme d'indépendance financière. Alors, c'est un terme général, ça va inclure un paquet de mandats, un paquet d'angles, la planification financière. L'angle le plus fréquent, celui qu'on va utiliser le plus souvent, mais en même temps, vous allez comprendre que ce sont des vases communicants. Donc, l'exemple le plus probant, c'est la planification de la retraite. La semaine prochaine, on va se faire une planification de retraite. Dans cette planification-là, bien sûr, vous allez avoir à étudier le rendement, les placements, les véhicules. Qu'est-ce qui est préférable? Placer dans le REER, dans le CELI? Moi, je vais vous dire que pour la retraite, le meilleur placement, c'est quoi? C'est le régime enregistré épargne études. Donc, oubliez ça. Le régime enregistré par études, ce n'est pas pour payer les études des enfants, c'est de la foutaise, c'est pas ça. C'est le meilleur placement parce que c'est des vases communicants, tout ça. Si les études coûtent moins cher parce qu'il y a une subvention dans le régime enregistré par études, bien, c'est des montants que je vais avoir de moins à débourser, donc c'est de l'argent que je vais avoir de plus pour placer ma retraite. C'est tout interrelié, on va parler comme ça. On ne parlera pas en silo. Donc, tout ça, placement, études des enfants, ça fait partie de la planification de la retraite. Qu'est-ce qui fait partie aussi de la planification de la retraite? Bien, c'est commencer par gérer ses dettes. Tout le monde ici va comprendre, tout le monde ici comprend qu'une situation financière, c'est à partie double. La valeur nette, le patrimoine, appelez ça comme vous voulez, est composé d'actifs puis de passifs. Fait que si moi, d'un côté, dans mon actif, je fais des petits rendements pépères parce que j'ai juste des certificats de placement garanti à 2 %, puis là, j'ai des dettes de piscine de l'autre bord à 8 %. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a une affaire qu'on ne comprend pas. Là, on est en silo. Donc, dans des cas comme ça, c'est quoi le meilleur placement? Bien, c'est le remboursement anticipé de la dette. Tu n'auras jamais fait un 8 % aussi facile que ça. Je ne peux pas après vous dire, « Hey, c'est bon d'avoir des dettes, parce que quand tu fais des dettes, tu fais des gros placements quand tu rembourses des dettes. » OK? Genre, OK? On va voir après ça, je vais dire, mais il faut voir ça en vase communicant. Il ne faut pas voir ça en silo. Si tu as des problèmes de dette personnelle, c'est probablement parce que tu ne mets pas en place un contrôle budgétaire. Donc, encore une fois, un des volets de la planification financière, pour ceux qui n'arrivent pas à boucler puis à épargner, bien, c'est d'avoir une gestion budgétaire. Donc, ça aussi, ça fait partie de la grande famille des finances personnelles. Les assurances, je parle des assurances de personnes, on va tout démêler ça. Assurance vie temporaire, assurance vie permanente, assurance vie universelle. Assurance salaire, assurance invalidité, c'est des pièces maîtresses d'une planification financière. On va en parler. Couple et famille, il y a des questions juridiques,
Il y a des questions économiques, il y a des questions financières à discuter à ce niveau-là. Et en fin de cours, en fin de parcours, dans les 4 derniers cours, on va être plus en planification fiscale, on va aborder l'impôt et le décès, la planification successorale. Donc, ça, c'est toutes des composantes qu'on va voir au cours de la session qui touchent les finances personnelles. Et la planification fiscale qui est toujours là, en sourdine. Alors, quel genre de questions? Il y en a, c'est pour ça que je vous dis, c'est des questionnements, c'est des contextes qui devraient vous intéresser parce que ça touche vos décisions de tous les jours. Alors, est-ce que c'est possible? Une des questions, vous allez chez un concessionnaire, puis le vendeur va vous dire que je peux te vendre une Vaux 857 par mois, mais je peux aussi te permettre d'avoir une Audi pour le même montant. OK? Donc, 857 par mois, si tu multiplies par 12, ça donne le même chiffre que si je fais 52 fois 198, ça donne exactement le même 10 000 quelque chose. Tout le monde ici comprend aisément que ce n'est pas la réalité. Ça ne se peut pas payer le même prix pour deux véhicules différents comme ça, okay? de valeurs différentes. Si tu penses en débourser, ça donne ça. Pourquoi ça donne ça? Parce que dans mon exemple ici, la Vaux, je l'ai acheté 30 000 $ après taxe. L'achat se finance sur 36 mois à 1,9. L'Audi que j'ai ici a un prix de 65 000 $ mais a une valeur résiduelle de 35 000. Donc, et j'ai une location de 36 mois à 1,9. Donc, c'est le même 30 000 $ 65 000 moins 35 000 de valeur résiduelle que je finance, à 1,9 sur la même période. Donc, c'est sûr que ça va donner le même chiffre. Mais là, tout le monde comprend ici que, ici, au 37e mois, je n'ai plus de paiement. Puis ici, je continue à payer 857 $ par mois si je veux continuer à avoir une Audi que je vais louer, une nouvelle. Okay, donc, c'est deux portraits, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas le même coût, mais c'est banal. Mais il y a plein de gens qui se font prendre par des situations aussi bêtes que ça. Autre question de finances personnelles. Il va y avoir un cours juste là-dessus. Il va y avoir un cours juste sur les automobiles. Puis voir un cours juste sur les habitations, les maisons, les logements. Deux raisons, parce que c'est des sujets très intéressants, parce que complexes au niveau des finances personnelles, avec plein de mythes à déboulonner, puis aussi parce que c'est les plus gros débours d'un budget pour la majorité des gens, ou à peu près. Alors, ce qu'on va apprendre, c'est que c'est pas vrai qu'un loyer de 750 $ versus une hypothèque de 850 $ c'est pas vrai que c'est automatiquement plus avantageux d'acheter puis que louer, c'est lancer l'argent par les fenêtres, OK? Ça, on entend ça couramment. Il n'y a personne ici, vous pouvez être en accord avec la majorité des choses que je vais dire quand on va parler de l'habitation. Vous pouvez être aussi en désaccord pour certains éléments, mais c'est certain que l'équation financière, c'est pas de dire que quand je loue, c'est de l'argent que je ne revois pas. Ça, c'est de la foutaise. Ce n'est pas comme ça qu'on analyse les deux options de logement qui est loué ou acheté. Fait que je vais briser certains rêves ici, probablement, là, au cours 8. Autre question de finances personnelles. Je vous en avais glissé un mot tantôt. Le RQ maximum en 2019, la rente à 65 ans. 65 ans, c'est le référent, c'est le 100%. 100% du RQ, c'est lorsqu'on la demande à 65 ans. Le montant maximum, 13 855. Ce n'est pas tout le monde qui a 13 855. Ça, c'est en lien avec les cotisations dans la vie active. Ça, c'est en lien avec les revenus comme employé ou comme travailleur autonome. Donc, le maximum de rente en 2019, si on la demande à 65 ans, c'est 13 855. Ça, c'est le référent de 100%. Une fois que je vous ai dit ça, est-ce que c'est mieux de la demander à 62 ans ou 68 ans? Disons que vos parents vous posent cette question-là. Comment on l'aborde? Bien, un, il faut avoir les connaissances. Comment fonctionne le RQ? On va tout reparler ces choses-là, bien sûr. C'est que quand on l'anticipe avant 65 ans, on perd 7,2% par année de la rente. D'accord? Donc, dans mon exemple ici, on perdrait 7,2 plus 7,2 plus 7,2. 21,6, je pense. On perdra 21,6 de la rente, ça donne 10 862. Quand on va de l'autre bord, puis on reporte le RQ,
C'est même pas symétrique. Le gouvernement veut t'encourager, veut nous encourager à prendre une décision qui est normalement avantageuse, dépendamment des cas. Et ça bonifie pas de 7,2, de 8,4. Donc, 8,4 par année. Donc, dans cet exemple ici, c'est 8,4 fois 3, ça donne 24 plus 1,2, ça donne 25,2% de majoration. Comment on répond à ça? Mais on va en parler là, la semaine prochaine ou dans deux semaines, plutôt, deux, trois semaines. Mais je veux juste vous faire lever la tête là-dessus. Quand on parle de décisions qui sont globalement acceptées, mais qui nous amènent, pour un bon nombre de gens, vers une mauvaise décision, le RQ, c'est un exemple par excellence. Et là-dedans, vous avez tous les biais cognitifs que je vous ai dû parler, dont l'aversion à la perte. Je m'explique. Est-ce que quelqu'un, hors de grandeur, a idée l'âge moyen à laquelle les gens demandent le RQ? On peut le demander n'importe quel âge, entre 60 et 70 ans, comme je viens de vous l'expliquer. Qu'est-ce que vous pensez qui est la moyenne? La moyenne. 61. C'est malade. C'est complètement débile. OK? Encore une fois, dans ceux qui le demandent à 60 ans et à 61 ans, c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Là. Ils sont dans la nécessité, puis il faut. Mais il y a un paquet de gens qui ne la reportent pas à 70 ans. Pourquoi? Parce que c'est intolérable de penser que j'aurais pu l'avoir, mais je meurs puis je ne l'aurai pas. Tu n'es plus là pour avoir cet inconfort-là en passant. OK? Mais cette analyse-là, fine, si tu la regardes globale, transmission de patrimoine familial, c'est probablement le meilleur pari. Mais encore une fois, venez pas vous plaindre si vous appliquez ça, puis la personne qui a fait ce choix-là décède à 69 ans, là, venez pas me chicaner. Là. Ça s'analyse, là, OK? J'ai pas une boule de cristal, mais je veux juste vous faire cheminer dans le raisonnement. Okay? Donc, ça, c'est des questions, c'est toutes des questions de finances personnelles. À quel âge on doit amorcer l'épargne? Ça, c'est un petit tableau qui est tout à fait incomplet, d'accord? Mais je veux quand même vous en parler de ce petit tableau-là parce que ça fait ressortir les principales variables qui sont utilisées pour faire les calculs de planification de retraite. Si on regarde l'axe horizontal ici, vous avez des pourcentages qui sont compris entre 5 % et 95 %. Qu'est-ce que veut dire ces pourcentages-là? C'est le pourcentage d'épargne. D'accord? Donc, l'épargne va de 5 à 95. Là, je sais, là, regardez-moi pas, je sais que ça n'a pas d'allure épargner 95 %. C'est juste parce que c'est une matrice qui répond à toutes les possibilités théoriquement possibles. OK? Mais ce que je veux faire réaliser, c'est le lien entre quand j'épargne, j'ai le train de vie. Quand j'ai le train de vie, j'ai l'épargne. C'est les deux côtés de la médaille. Si j'épargne 95 % de mon salaire, ça veut dire que mon train de vie est 5 % de mon salaire. OK? Je sais que cet exemple-là, ça ne se peut juste pas. OK? Mais si vous voyez un épargne agressif en début de carrière pour arriver à une indépendance financière le plus rapidement possible et que vous voyez que vous épargnez 60 % de votre salaire, ça veut dire que votre train de vie est à 40 %. Puis ça, peut-être que c'est tenable, dépendamment. Si tu fais 100 000, là, tu peux vivre sur 40 000. Et puis épargner 60 000 pour prendre ta retraite dans 10 ans. C'est ce qu'on s'est dit. Donc ça, c'est l'axe horizontal, le pourcentage d'épargne. L'axe vertical, c'est l'âge à laquelle on commence à épargner. Donc ça va de 18 ans à 50 ans. Je veux juste vous montrer, encore une fois, pas pour vous faire peur, juste vous faire comprendre l'importance de s'atteler à cette tâche-là. Même si vous avez de la misère à vous visualiser à 60 ans, puis je vous comprends d'avoir cette difficulté-là, juste prendre un exemple, pas trop exagéré, qui a de l'air raisonnable, mais qui donne un résultat assez décevant, merci. Prenons quelqu'un qui se considère quand même responsable par rapport à son besoin d'épargner pour sa retraite, puis il commence à 30 ans. C'est pas si pire. Là. Quand on se parle de même, là, je fais un sondage, souvent on va dire 30 ans, c'est pas si pire. Là, quand je dis commence à épargner, je parle vraiment de l'épargne. Il n'y a plus de dette à part une hypothèque. Là. Je ne suis pas après dire celui qui se compte des histoires, qui met un petit 2 000 dans son REER, mais il y a une marge de crédit hypothécaire de 45 000. Là. Je ne suis pas après vous parler de lui. Là. Je suis prêt à vous parler de quelqu'un qui a mis ses choses en ordre, qui n'a pas de dette autre que l'hypothèque, puis qui épargne, pour de vrai. Donc, si tu commences à 30 ans, puis tu épargnes 15 %, ça, encore une fois, ce n'est pas déraisonnable. Ça a l'air d'un pourcentage
pas si pire. Du le REER, le plafond REER se calcule avec quel pourcentage de revenus gagnés? 18 %, ce n'est pas des cruches, là, les gens qui ont sorti 18 %, c'est des actuaires. Puis ça doit. Il y a un paquet de variables, ça dépend à quel âge tu commences à épargner, etc. Mais le 15 %, il n'y a pas si pire. Mais qu'est-ce qu'il y a partout dans le tableau? C'est l'âge où tu peux prendre ta retraite. Compte tenu de quel pourcentage tu épargnes, pourcentage de ton train de vie, puis à quel âge tu as commencé. Fait que, prenons l'exemple qui a de l'air, il me semble, moi, je me reconnais dans ce portrait-là, je trouve ça pas pire. Commencer à 30 ans, mettre 15 % à Montréal? Excusez-moi, mais vous allez prendre votre retraite à 78 ans. OK. Là, une fois que j'ai dit ça, là, avant qu'on se mette tout à crier, parce que ça, c'est beaucoup, là. Ça semble, il y a quelque chose là, qui peut fatiguer, OK? Bien, un, derrière, c'est imparfait, là, ce tableau-là. C'est pas que je veux qu'on travaille avec ce tableau-là. Je veux juste faire réfléchir. Donc, le rendement de l'épargne, des placements, du REER, du CELI, c'est 4 %. Sur une longue période, on peut aller vers du 6, assurément, si on comprend les rouages et les attentes face à un marché d'investissement, un marché boursier. L'autre affaire, ça c'est majeur, là, j'avoue, là, OK, c'est que c'est une matrice américaine. Fait que le filet social américain, il est plein de failles, il est plein de mailles. Et je suis convaincu que si on avait ce tableau-là, au Canada, ça donnerait des résultats pas mal plus relaxant que ce que je viens de vous dire. Commencer à 30 ans, mettre 15 %, tout ça pour te faire dire, prends ta retraite à 78 ans, je trouve pas que c'est une proposition bien intéressante. OK? Mais il n'y a pas le maillage, il n'y a pas le filet social, il n'y a pas la pension de sécurité de vieillesse, il n'y a pas le RQ. Je ne sais pas s'ils ont autre chose que juste l'épargne peu. Fait que c'est sûr que ça module les raisonnements. Ou les résultats, plutôt, excusez-moi. À quoi sert cet acétate-là? Bien, un peu revenir là, avec quelque chose que j'ai dit. Les finances personnelles, à mon avis, ça devrait vous intéresser. C'est quelque chose qui vous touche, qui touche votre environnement. Vous allez avoir à conseiller des gens. Vous allez avoir à vous conseiller vous-même, si vous voulez. Puis, ce que je vous fais réaliser, c'est qu'on a la chance d'avoir un sujet qui est hyper d'actualité, qui intéresse un paquet de personnes. Donc, ça vous regarde. C'est à vous d'aller vers n'importe quelle plateforme, tu sais, encore une fois, c'est pas parce que c'est mon idole puis arrive McSween, là, mais ça veut dire quelque chose quand quelqu'un vend 200 000 livres, OK? Au Québec, là, un succès littéraire, c'est 3 000, OK? Là, je pourrais vous comparer la littérature avec en as-tu vraiment besoin, là, en passant, OK? Mais je veux juste vous dire que ça veut dire quelque chose. Puis, il y a plein de plateformes intéressantes, Gérald Filion, RDI Économie, il y a des MOOC, Daniel Germain, Les Affaires, Mr. Money Mustache, c'est justement un des précurseurs du mouvement dont je vais parler, FIRE. C'est deux ingénieurs, lui et sa blonde, puis ils ont pris leur retraite à 38 ans, puis bon. Donc, il vous parle de tous ces éléments. Alors, choisissez le dimanche dans Presse Plus, il y a toute une section de finances personnelles avec un paquet de cas, genre de cas que j'aurais aimé ça vous poser comme question, OK? Donc, regardez-là ces cas-là de temps en temps, vous dites, serais-tu capable de répondre? C'est sûr que c'est incomplet, c'est un énoncé partiel, mais êtes-vous capable d'amorcer une réflexion par rapport à la mise en situation qui vous est proposée? Alors, je vous encourage à être curieux à ce niveau-là. OK, donc, il me resterait à peu près 5 minutes. Est-ce que je suis dans le temps? Oui, je suis dans le temps. OK, il me reste 5 minutes, dans le fond, pour vous parler un petit peu de la planification financière, puis comment on peut faire la planification financière, quel genre de compétences, quel genre de cheminement ça nous prend pour être bon en, être compétent en planification financière. Première des choses, qui peut pratiquer, là vous allez voir, je vais jouer ces mots, là, il y a de la sémantique là-dedans, OK? Qui peut pratiquer la planification financière? Tout le monde. Tu peux avoir zéro diplôme, tu es dans ta cave, tu dis, moi je fais de la planification financière. Ce n'est pas interdit de dire ça. Okay? Ce n'est pas un acte réservé comme la certification pour les CPA. Maintenant, en réalité, c'est qui est le mieux outillé pour faire de la planification financière? Il y a différents types de cheminement pour œuvrer dans la planification financière. Quelqu'un qui devient CPA et qui s'intéresse immédiatement aux finances personnelles peut faire de la planification financière et être hyper compétent à la matière. Vous avez tous les outils. C'est de s'intéresser à ça. Si tu es CPA puis tu fais juste l'audit puis ça ne t'intéresse pas, bien, forcément, tu vas perdre ton acuité puis ton agilité à faire de la planification financière. Ça, c'est une question d'intérêt, là. Mais je veux juste vous dire, vous pouvez être CPA puis faire de la planification financière. Je ne demande
toujours de dire le mauvais mot, mais je ne le dis pas à date, je ne suis pas pire. Donc, vous pouvez faire de la planification financière. Je vais vous l'expliquer le mauvais mot tantôt. Si en plus, vous avez une couche de fiscalité, vous avez fait une maîtrise en fiscalité ou vous avez pris le cours formation à distance par l'ordre des CPA, bref, vous avez une formation de fiscaliste, bien, c'est sûr que c'est un atout majeur supplémentaire pour œuvrer dans la planification financière. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça peut être d'autres genres de professions qui nous amènent à faire la planification financière. Bon, là, j'y vais un petit peu, là, les avocats, bien là, c'est vraiment pas automatique, là. Il faut vraiment que cet avocat-là en fasse une niche. Puis s'il fait ses calculs sur Word, là, je me méfierais, là. OK? C'est pas le bon genre d'avocat pour faire de la planification financière. Il y a aussi les courtiers en valeur mobilière, les assureurs. Mais sans dire que c'est automatiquement des gens qui ne sont pas habilités à faire de la planification financière, c'est quoi que vous devez savoir si vous magasinez quelqu'un qui va faire votre planification financière? Puis si cette personne-là, c'est un courtier en valeur mobilière ou un assureur, c'est quoi le... Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va donner un mauvais résultat, mais ce à quoi vous devez faire attention, c'est quoi? Hein? C'est l'objectivité de la personne, dans le sens que souvent, ils ont des produits à mousser, à vendre, et ils peuvent les mettre en priorité, sans dire qu'ils font tous ça. Il est possible qu'il y ait cette dynamique-là. Il faut juste en être conscient par rapport à ces situations-là, parce que souvent, c'est gratuit, on va faire la planification financière, mais là, ils vont tous vous amener dans une voie qui est leur voie, où c'est leur produit. Et encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas une bonne option, mais il faut en être conscient. Le mauvais mot que je n'ai pas dit, pour être logique dans tout ce que je vous dis, c'est celui de planificateur financier. Tout le monde peut faire de la planification financière, mais il y a seulement les planificateurs financiers qui peuvent s'appeler des planificateurs financiers. Et ce sont ces ressources-là, ces personnes-là, qui ont passé à travers la formation professionnelle de l'Institut québécois de planification financière. Ce cours-là se fait en gros à distance puis en présence en une session là, en septembre, octobre, novembre, 3 mois, plus un examen. Puis on peut devenir de cette façon-là planificateur financier. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous aimez les finances personnelles, si vous aimez la planification financière, je vais le dire, je ne suis pas gêné, c'est mon opinion, là. Ça ne veut pas dire que c'est accepté ou généralisé, mais pour moi, ce n'est pas parce que tu es planificateur financier que tu vas être un meilleur agent pour faire de la planification financière versus un CPA, surtout un CPA qui a de la fiscalité. Là. Non, ce n'est pas vrai. Là. Le CPA, il est capable d'accoter n'importe quand le planificateur financier, s'il s'intéresse à la question, bien sûr. Donc, si ça vous intéresse la planification financière, vous pouvez bien aller planificateur financier. Mais vous pouvez aussi demeurer CPA puis ouvrir vos horizons puis avoir un titre plus prestigieux. Disons-le, c'est la réalité. Là. Les candidats qui vont vers le titre de CPA, c'est normalement des candidats avec des meilleurs résultats que ceux qui vont vers la planification financière. Il faut juste le savoir, le planificateur financier. Si ça change un jour, je vais être la personne la plus heureuse, mais je me dois de dire ça. Donc, ce n'est pas la même valeur, le titre. D'accord? Ça va pour ça. On va, je vais céder la parole à vos collègues du comité CPA qui vont venir vous parler.